Donc ce soir, on va faire un pic omelette type pique-nique avec des champignons sautés, des pommes de terre grenaille avec de l'ail, des petits oignons blancs, voilà, tout ça rôti au four. Ici, des courgettes que j'ai fait sauter rapide avec de l'ail, c'est très bon. Et on rajoute un petit peu de verre de poireau séché. Voilà, ça va poivrer naturellement la courgette. Le caviar d'aubergine que j'ai laissé un peu grossièrement. Tout ça accompagne une omelette. Je vous la fais en direct, l'omelette. Je n'ai pas fait de tableau ce soir au niveau des ingrédients. Vous faites comme vous voulez, du moment que vous en ayez assez pour le nombre de couverts que vous avez du soir. Donc voilà. Vous avez une matière grasse qui est hyper chaude. Et vous allez ici battre les œufs. Bien sûr, vous avez assaisonné auparavant. Et je vais vous montrer comment faire une omelette plate. Alors, la dernière fois, je vous ai fait une omelette. Je vous ai fait une omelette roulée. Cette fois-ci, je vous fais une omelette plate. C'est la même chose, sauf que ça va rester plat. Voilà, regardez bien. Je vais rajouter ici un petit peu de moelleux. C'est-à-dire, c'est un fromage qui s'appelle la dent de chat, qui ressemble au comté. Voilà. Et le côté bonne franquette, voilà. On garde un petit peu encore du moelleux. On ne va pas trop cuire. On la laisse comme ça. On vient ici. Et on amène ça devant la table et chacun va picorer, va prendre un petit bout d'omelette. Bien sûr, ici, c'est que pour une personne. Tout à l'heure, je vais prendre la grande poêle pour 3 ou 4 personnes. Et là, chacun picore, chacun vient chercher ce qu'il veut. Bonsoir, bon appétit.